Et salut à tous, c'est Exer, on se retrouve donc Dark Souls. Je vais devoir aller au lac Cendré, c'est pas moi qui ai choisi. Alors, chambre de la princesse, fille du chaos, profondeur, bah ouais, fille du chaos, ça va être là. Hein. Bon, au moins j'ai mon arme à plus 15. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le lac Cendré, pour y aller avant, il faut passer par la grande carcasse et que je déteste ce niveau. Mais vraiment, c'est un truc. C'est une catastrophe. Alors en plus, je sais même pas ce qu'il va nous avoir rajouté. J'espère qu'il nous a pas rajouté des trucs genre des champignons encore plus vénères que d'habitude ou je sais pas quoi. Ah non, mais je sais pourquoi vous avez dit ça. Je n'ai aucun doute sur le sujet. Non, non, c'est plus 15, ouais, plus 15, plus 10 les armures, plus 5 celles qui sont en titanite scintillante. La forge, c'est toujours un truc un peu chelou dans les Souls. Ça s'est uniformisé avec Dark Souls 2 et 3, en fait. Non, Code Vein, je suis relativement curieux. C'est pas OSEF, c'est pas non plus la hype totale, c'est curiosité naturelle, on va dire. Non, mais le DLC, ça me faisait pas plus peur que ça. Hein. Je suis juste curieux de voir ce qu'il y a aussi au lac Cendré, en fait. Ah mais alors attends. Est-ce qu'ils vont tuer la pyromancienne ou ils viennent pas jusque-là? Non, j'ai l'impression qu'ils se rapprochent pas. Ah d'accord, le fait de lui parler, ça annule, d'accord. Donc là, j'ai besoin d'âme. Lame de Sif, lame de Smaug, tout ça, j'en ai pas besoin en fait. Le noyau golem de fer, lame de Kilag. Je vais bouffer tout ça. Hein. Oh oui, il avait modifié le passage avec les archers d'Honor Londo. Il y en avait partout. Il y en avait partout. Il y en avait dans la cathédrale, là où tu dois marcher sur les poutres. C'était horrible. C'est dur. Qu'est-ce que c'est cher tout ça? Ah bah il y a Shiva du coup. Ouais, bon, il a la machette démoniaque, ça c'est pas mal comme arme aussi. Les griffes, la lance du démon, l'anneau boisé. Celui qu'il faut que je tue, c'est lui, hein. On est d'accord. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me reposer au feu de camp, vu qu'il est juste à côté. Ok, merci la caméra.
Il faut le tuer parce que c'est son destin. C'est pas ça. Non, c'est pour choper un anneau. Cet anneau-là. C'est bien ça. Parce que son bouclier, c'est lequel déjà? Il a... Ouais, il est juste plus léger en fait. Non mais celui-là, il est parfait. Hein. Le bouclier là, il est vraiment bien. Hein. Bouclier des chevaliers noirs. Hein. Ça, c'est un coup à mourir d'utiliser un truc pareil, mais bon, pour le fun, on va le faire pour l'instant. Ah, le Murakumo, ça déboîte, hein. C'est vraiment une très très bonne arme en dex. Hein. J'ai oublié de... L'anneau, regarde, il fait des roulades comme ça. Il fait faire des roulades lolilol. Oh! Putain, je savais pas qu'il était là, lui. Il m'a fait peur. J'avais déjà essayé ouais, de faire run katana, mais c'est pas mon style d'arme, ça marche pas trop, j'y arrive pas trop. Putain, ça fait longtemps que j'avais pas été stressé comme ça pour jouer un Souls, quoi. Ah, quelqu'un est tombé. Donc déjà là, il n'y a pas le feu de camp, ce qui en soi est pas une bonne chose. Parce que du coup, ouais non, il n'y a rien ici. Bon après c'est peut-être bon signe, hein. Peut-être que je sais pas. Peut-être que ça va bien se passer. Peut-être que j'y crois un peu trop là. Ah si, il y a quand même un truc. Merde. Comment on vient là? Alors le problème, c'est que se laisser tomber d'ici, c'est un peu vénère. Je sais plus si c'est là qu'il faut aller ou pas.
Ce coup de flip. Ce coup de flip. Et est-ce que je peux pas sauter là? Pour aller justement au feu, là? Y a pas l'anneau du chat. Il n'existe pas dans celui-là. Le feu est juste là, mais comment on y va? Je crois que j'ai compris. J'ai compris. Merde. Ah mince, c'était pas prévu que j'aille là. Oh non! On va descendre, hein. Mon Dieu, cette chance. Oh, ils sont trop mignons, ils t'attaquent maintenant. Je me souvenais pas, je croyais que c'était que les papas. Ah non! Ah, des fois je veux bien jouer la mauvaise foi, mais là c'était vraiment la chance jusqu'au bout. Oh, j'y crois pas, le mec.
Putain, il a mis combien de champignons, quoi? Les petits, ils ont toujours attaqué. Ah, c'est dans la forêt qu'ils ont pas attaqué, alors. J'espère qu'il y a un feu de camp au lac Cendré. Non. Qu'est-ce qui nous a mis ici? Qu'est-ce qui nous a mis ici? J'adore cette zone, mais je suis tellement flippé. Salut Balgrim. Jusque là, ça va. Ah si, il a mis le feu, mec, merci. Pff, il a laissé le feu de camp, c'est bon. Merde. Ah! Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ça marche pas?
un problème. Bon, ok, je sais plus viser, je suis paniqué là en fait. Bravo Frimouille. J'avais pas remarqué que je tapais à côté. Ah, j'ai failli mourir là. Il s'en fout, hein. Allez. On peut le faire, on peut le faire. Bah, je visais encore. Vous savez que vous m'avez envoyé dans un cul-de-sac qui sert à rien. Hein. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais... C'est naze. Ah, c'est génial. Le type, il vient de tuer un boss. Tu sais, faut la musique derrière. Faudrait mettre ça derrière, tu sais. Quand je tombe. Je vais me faire un truc. Dès que je tombe, je vais me mettre ça. Bref, pardon. Alors. Et là, le boss réapparaît, tu sais. Ah oui, il y a le dragon qui file une épée, ouais, à la rigueur. Je vais aller récupérer ça. Je suis pas sûr que ça marche avec le Nexus, le mode manager, machin bidule, je l'ai pas utilisé.
Ouais, j'ai l'impression qu'il a viré les coquilles Saint-Jacques. Ce qui est bizarre parce que c'était utile. Vu qu'il n'y a que comme ça que tu pouvais choper les... Les pierres de malédiction là. Ouais mais attends, pas de coquillage, mais on sait pas ce qu'il nous a préparé derrière. Hein. Déjà, un champignon à l'entrée. C'est le mec, il est en mode videur, quoi. Bah c'est justement pour ça, je pense qu'il est aussi beau cet endroit, tu vois, original, parce qu'il sert à rien. Je trouve ça génial, moi, dans ce jeu, ce qu'ils arrivent à faire avec des niveaux qui servent à rien. Putain, les caméras automatiques. C'était pas ça que je voulais faire. Non! Qu'est-ce qu'il fout là, Havel? Ah, c'est sa fille! Ah non, c'est pas Havel, c'est qui? Je vais te tuer vite, toi. Merde. T'es qui, toi? Je sais pas, il s'est dit, tiens, on va mettre un Havel. Ah ouais, Havel, il a une fille, bien sûr. Tu savais pas? Ça servait à quoi de... Ok. Bonk, bonk. Vous savez que j'ai vraiment, pendant pas mal de temps là, et je suis pas encore sûr à 100%, mais j'ai vraiment cru qu'il y avait une deuxième hydre. Elle s'appelle Maki. C'est très beau ça, Radiante. Ah ouais, l'ambiance de cette zone, c'est ouf, hein. Et tu te dis, c'est une zone qui sert à rien. T'as juste un dragon ancien. Il y a une deuxième hydre qui arrive, non? Mais non, il n'y a personne. Alors attendez, parce que j'ai la souris, hop, qui est là. Si, si, ça sert à ça, la tête de dragon, en fait.
Voilà. Bon, bah, c'était tout ça pour ça. Du coup, on repart à Sanctuaire de l'Ichefeu. Il y a peut-être des réglages à faire dans le DS fixe. Il y a des trucs à modifier dans le fichier INI. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il faut supprimer l'anti-aliasing et tout. Alors, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais... L'asile? Ouais, pourquoi pas, allez, l'asile. Comme ça sera fait. Ils sont encore là, eux? Ciao, Murloc. Bonne nuit à toi. Enfin, bonne soirée. Midir. Alors ça va être compliqué d'aller faire Midir. Ouais, il y a le Galurin aussi à sauver derrière. Ah oui, c'est quand tu termines Pinouille là, ouais, que tu peux y aller. Je me repose au feu de camp. Si, je peux avoir plus de fioles, c'est pour ça qu'il faut que j'aille tuer Pinouille à un moment donné justement. Pourquoi j'ai gardé ça? Ah oui, c'est parce qu'elle rapporte rien. Ah, je vais y arriver à l'avoir là. Hop, comme ça, je perdrai pas trop d'âme. J'ai jamais compris ce boss. Pourquoi le son il marche pas? Ah, ça fait bizarre qu'il n'y ait pas de son.
Cool. Bon, il n'y avait que ça à faire, hein, parce que je crois que j'avais déjà visité le reste. Non, mais le son du boss, il n'y avait pas le son du boss. Vous avez pas remarqué qu'il n'y avait pas le son du boss? Bon, bah, j'ai tout fouillé. Non, lui, ça sert à rien de le lock, c'est plus chiant qu'autre chose en fait, l'Ikrone. Après, oui, peut-être que ça m'a aidé de jouer à Monster Hunter. Ok, bah maintenant que ça c'est fait, on avance. Salut à ceux qui arrivent. Ouais, il y avait que la musique, mais il n'y avait pas le son des explosions. Normalement, ça fait des gros bruits, tu vois, tu peux pas les rater. Qu'est-ce que tu me parles, toi, la ceinture cramoisie? Que tu me parles encore. Ça là? Ouais, je sais pas, je m'en fous. Enfin, je sais pas, ça va pas changer grand chose. Faut que je trouve mon armure en fait. Allez, c'est parti. On va commencer les catacombes. Pour de vrai. Exactement, Original Mint. Ah, il y a le fauchon ici. C'est cool ça à savoir aussi. Quoi? Ça compte comme de la défense ça? Murakumo. Ok. C'est pas genre le deuxième que je chope là? On verra pour après la pub où j'en suis pour la prochaine pause pub. Putain, ça passe vite le temps. 3 heures, ça va trop vite. Que je déteste cette zone. Parce que là, à mon avis, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Dark Souls 1, il y a un truc qu'on appelle les roues. Les roues squelettes, là. Je serais vraiment pas surpris qu'on en ait, genre, constamment. Attends, il a viré le feu de camp. Ça commence bien. Ah non, il est là.
Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ils se tirent entre eux là? Il y a des archers partout. Genre, il est copain, lui. Ok. Je le connais le skip, je m'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il fait lui? En fait, je comprends pas. Attends, c'est les types de... Ah mais ouais, mais c'est les mecs qu'on croise à Lichfeu en fait. Et en fait, ah d'accord, ils me suivent. Ah, je trouve ça vachement logique en fait. Tu sais, tu les suis dans leur aventure. Comme toi, quoi, ils suivent un peu un chemin similaire. Mais non, du coup, je vais pas faire le skip parce que je sais pas les objets qu'on peut trouver. Et du coup, bah, j'ai envie de les découvrir. Ouais, c'est les gardiens de Rhea. Oh, il y a un feu de camp. Il a un peu. Est-ce que je vous ai dit un peu? Il a un peu craqué son slibard, le mec, mais genre violent, quoi. Il se relève. Ah, il y en a encore un autre de mec. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse cette zone.
Ah, j'en étais sûr qu'il était là. Je l'aurais mis là aussi. Je peux pas l'avoir la lanterne pour l'instant. Faut la dropper sur un des pyromanciens et ils apparaissent qu'une fois. Ah, il y a encore un autre pyro. Et merde. Ah, c'est vraiment l'angoisse ici. Ok, allez. Merde. Raté. Ah oui, il a craqué complet sur cette zone, hein. C'est ouf. Merde, c'est pas par là. Y a pas un levier ou quelque chose ici d'habitude? Ou j'hallucine? C'est à quoi ça sert sinon que je vienne là? Ah, il est là le levier. Forcément, je vais mourir. Il avait le bras comme ça, genre j'en ai marre. Et boum, il a ajouté 40 squelettes.
Bon, déjà j'ai tiré le levier, donc c'est pas mal, je me suis encore trompé de côté. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il soit au niveau de Vamos, en fait. Le bidule là. Ah, lui, c'est un trash en fait, c'est pas un. C'est bien, je chope leurs armures. Non, mais de toute façon, le build, le mode est pas fait pour les débutants. Hein. Ça, il l'a toujours dit, que c'était pas fait pour. Alors je suis un peu occupé là, Barbarossa, quelqu'un va te répondre sur le chat. Malheureusement là tu vois je suis un peu... c'est un peu stressant ce truc. Ah en fait il y a des gentils et il y a des méchants. Ok. C'est original. Il serait peut-être temps de mettre le... Non. Un feu. Donc ok je suis là mais... Je dis pourquoi pas. Je vais avoir toute l'armure du clair d'élite.
Je vais quand même aller voir si jamais il y a un truc du côté de Nito. Merde. Ah merde, c'est déjà l'heure. Oh là là, mais ça va trop vite les loulous là. On va aller voir ce qui se passe de chaque côté de chez Nito, puis on fait la petite pause. Non, mais il y avait déjà un deuxième feu de camp. Faut attendre si longtemps que ça? Ah, voilà. Le type, il s'endort, tu sais, genre. Tout va bien, c'est un lieu après tout tout à fait raisonnable. Parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des trucs cachés en fait, tu vois, vu qu'il a déplacé les objets. Non, y a rien. Bah écoutez, vu qu'ici c'est vachement reposant, on va faire la petite pause pub pendant 5 minutes. Je vous remets un petit peu de musique et on reprend juste après. Donc on va essayer de continuer et d'avancer au moins jusqu'à Pinwheel. On va voir un petit peu jusqu'où ça nous mène. A tout de suite!